Ah, mais si. Ah, c'est joli. Il y a beaucoup, beaucoup de peinture, tout ça. Oui, alors, le vide m'angoisse. Non, je rigole. Le vide m'angoisse pas, mais c'est vrai que j'aime les choses. Mm-hmm. J'aime me sentir rassurée. Donc, mm-hmm. c'est vrai que je fais pas mal d'accumulation. Mm-hmm. Et puis, par ma formation, mm-hmm. je suis peintre. Oui. Sculpteur, oh. céramiste. Donc, oh, tu vois, il y a beaucoup de choses. Oui. Des peintures que je fais moi. C'est ça, ça c'est moi. Wow. Ça aussi. Ça aussi, oui. Wow. Oui. Donc, c'est joli. Voilà, plein de, tu vois, de styles. Et comme mm-hmm. ça, je mélange un petit peu... tout ça avec des pièces de design connues, mm-hmm. des choses, des lampes, tu vois, aussi chinées, parce que j'adore les luminaires. Ah, ok. Oh oui. D'ailleurs, ma dernière acquisition, c'est ce que j'ai trouvé, je viens de trouver. Une pièce. Ça. Oui, alors il en manque un. On fera souvent des envieux. Mm. C'est un lampadaire mmh. des années 60. 60 ? Ouais. Et il est en tech. Oui. Et voilà, fait par un designer, c'est Rispal. Mmh. Donc, mmh. alors là, il manque l'abat-jour. Ah, l'abat-jour, d'accord. Pour l'instant. Alors, c'est un ancien, un mmh. vrai ancien. Par contre, j'ai pas trouvé encore l'abat-jour. Donc, tu vois, je suis en constante recherche de... Peut-être que tu peux créer la bajour. Je peux aussi créer la bajour, tu vois. Bah, tu vois la lampe derrière, c'est moi qui l'ai faite. Ah oui? Oui, ça aussi. Oui. Oh, tu peux faire n'importe quoi. Oui. Et tu as chiné des choses pour... Oui, tu vois, je fais la collection, je chine plein des petits poissons, soit lalique. À côté de poissons, à lalique? Là, oui. Oh, kawaii. Là. Oui, tu vois. Mmh. Là, il faut que nous sommes. Mmh. Ouais. Et donc, c'est mon signe astrologique. Oui. Donc, je suis poisson. Ah, d'accord. Donc, j'aime. je cherche. Voilà, ça, c'est un encensoir. Oui. Bon, ça, vous devez connaître. C'est chinois. Non, c'est. Je crois que chinois, non? C'est chinois, ça, je crois. Je crois, ouais. Ouais. C'est pas japonais. Non, ah non, c'est pas japonais, c'est chinois. Mmh. Et puis aussi pas mal de pièces récupérées de famille. Ah ouais, ok. Voilà, toi, le miroir. Miroir aussi. Ouais, c'est miroir. C'est, oui, c'est un magnifique. C'est un miroir vénitien. Ah, vénitien. Ouais. Oh, ce sont, il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de cadre. Mm-mm. Ce sont que des morceaux, en fait, tout est indépendant, tu vois, comme ça. C'est moi ce qui. Ouais. C'est le miroir très ancien, du coup. Oui, c'est un miroir très ancien. Mm. Exactement. Wow. Donc, tu vois, ça s'est récupéré de famille, de ma grand-mère. Mm. D'accord. Et puis, alors. La pièce maîtresse de l'appartement, alors il faut venir un peu là. C'est la curiosité, parce que c'est assez rare d'en trouver. Oui. C'est un bar donc, où on met l'alcool, les verres. Oui. Oui. Et en fait, il a une particularité, donc il est vraiment d'époque, donc il est art déco, tu vois, il tourne. Hop. Wow. Oh là là. Hop. Comme ça, et tu vois, tu as toutes les bouteilles là-bas, dans le coin. Second. Et tu vois, voilà, comme magnifique. Ça. Ouais, c'est magnifique. Wow. Voilà. C'était cassé. C'était caché. Et c'était caché, oui. Si, tu vois, on avait plus d'espace. Second. Ouais. Et j'adore des verres. Ah, ça, ce sont des verres aussi, tu vois. Ce sont des verres.
Martellanciens. Ouais, des verres à vin blanc, ça. Mmh. Je crois que ceux-là sont des verres Baccarat. Ah ouais. Mmh. Waouh, ce beau guillemot. Qu'il est autre que chez. Tiens. Waouh. Voilà. Et tu as chiné ça aussi ou ça vient de votre ouais, j'ai chiné ça, j'ai chiné parce que tu vois, il y en a pas, enfin ceux-là j'ai réussi à en avoir pas mal de pareils. Mmh. Après l'autre série, j'en ai moins. Mmh. Après j'en ai d'autres de Baccarat de ma grand-mère, mais okay, que je te montrerai, oui, après, oui, qui sont plus classiques. D'accord. Donc voilà, ah, mais tu vois, j'ai chiné aussi ça, des, ah, ça c'est, oui, des coupes à champagne. Oui, oui, oui. Oh. Des coupes à champagne, des petits verres pour... Oh, oui. T'as des petits carafons, tu vois, sur la table, ah, là-bas, oui, comme ça. C'est qui? Il est quoi, non, pas trop. Ah ouais, c'est joli. Tu peux aussi t'amuser, tu vois, à mettre des verres contemporains. Tu peux le prendre, ouais. Qui sont aussi en, ils sont en cristal, tu vois. Oh oui, ok. Ils sont très lourds. Oui. Putain, non, quand pourquoi ton temps? Quand tu t'as. C'est joli. Et tu peux, tu vois, tu mélanges comme ça avec quelque chose de très, de plus coloré et ancien. Mmh. C'est ce qui donne en fait, je trouve, l'originalité, oui, et oui, aussi la modernité finalement de, d'accord, oui, d'une table. Ok. Donc voilà, donc tu vois, hop, je referme. Et ça vient d'où? Ça, ça, alors c'est français, mmh, et c'est un meuble typique des années 1920. Mmh. Donc voilà. Donc voilà, puis tu vois, on passe par des choses. J'adore ça. C'est alors des, ça, des c'est oiseaux. Pendant le confinement, tu, oui, on était, tu sais, enfermés à la, oui, maison. Oui. Et puis j'avais rien parce que j'ai, oui, un atelier plus loin, mais, oui, j'avais rien à la maison et je, mmh, pouvais pas aller à l'atelier. Mmh. Alors tous mes vieux magazines, mmh, je les ai coupés. Ah oui. En petits morceaux. Oui. J'ai mélangé avec de la farine, oui, de l'eau. Farine, de l'eau. De l'eau. Oui. Et j'ai fait une espèce de colle, oui, où j'ai mis mon papier, et, oui, donc ça fait du papier mâché. Ah, oh, ouais. Mais voilà, tu vois, moi, je suis toujours en train de, mmh, de chercher, mmh, et de créer, tu vois, même la, ma table. C'est joli. Oui, alors. C'est artistique. Avec les, alors les... ça, c'est, ouais, c'est un artiste d'ailleurs, mmh, qui, mmh, il me l'a fait. Mmh. Pour mes, pour mon anniversaire, pour mes, mmh, 30 ans, donc il y a longtemps. Non. Si, si. Et donc, du coup, oui, voilà, il travaille le métal, mmh, la tôle, et, mmh, il assemble. Il coupe à vif, et il fait des patines après, mmh, avec de l'or. Oui, ah oui. Oui, tu vois, c'est tout patiné. Alors là, ah, en plus, oui, elle a vieilli parce qu'elle, mmh, a vécu. Mmh. Elle a reçu beaucoup, beaucoup d'apéritifs avec des amis. Non, c'est, mais tu vois, ça, elle a vraiment une patine, mmh, tu vois, avec les pieds qui sont aussi différents. Kawaii, ne kore ne. C'est quoi, kawaii. Et voilà, tu vois, c'est voilà, tout, en fait, tout ce qu'il y a à la maison, mmh, une âme, une vie, une, mmh, histoire. Mmh. Et tu vois, c'est ce que j'aime, tu vois, mélanger avec un tabouret que, ouais, j'ai ramené, c'est joli, d'Afrique, cet été. Ce sont des femmes qui font ça pour pouvoir subvenir à leurs besoins, emmener leurs enfants à l'école. Ah, ok. Voilà. Ah, ok. Donc, je crois que tu aimes beaucoup les couleurs comme ça, c'est les jaunes. Oui. Les... Oui, alors, oui, la vie, mmh, pour moi, oui, c'est vraiment mélanger des couleurs. Mmh. Tu vois, j'ai même du bleu, un peu ce qu'on appelle des bleus canards, là, avec la banquette. Ah oui, tu vois. C'est joli. Et tu vois, la vaisselle aussi, ça c'est moi qui l'ai fait, mais tu vois, je joue aussi avec les mêmes couleurs. Ah, tu, c'est, vois, joli. Ah, tu vois, des teintes, comme ça, des, ah, c'est, tu vois. C'est magnifique. C'est... J'adore des couleurs comme ça. Tu vois, des couleurs comme ça. Hawaii. Sticky. Et... C'est joli, né.
Donc voilà, c'est vraiment... j'aime mélanger les couleurs et vivre dans le noir et blanc. Enfin, je trouve ça très beau graphiquement. Oui, ouais, mais pour moi, non. Mais voilà, pour moi, non. D'accord. Voilà. Oh. Ah là. Tu as des assiettes... Alors, ouais, t'as différents sauces, pareil, j'ai chiné. Ah oui, ouais. Ok. On va y au. Tout ça c'est chiné. Ah oui. Ça c'est notre service de mariage, mais qui est plus contemporain. Oui. Tu connais le designer Alessi? Oui, oui. Eh ben, okay. Ça c'est voilà, c'est ça vient d'Alessi, d'accord. Voilà. Mais souvent je mélange aussi, des choses voilà, contemporaines. Mmh. Et là, de l'autre côté, oui, parce que ça, on a fait construire parce qu'on avait une cheminée avant, mais ah bon? Oui, mais elle est toute détruite. Oui, les... ouais, faut pas regarder derrière. Et ouais, tu vois là aussi. Ah ouais, ok. Voilà, attends, parce qu'il y a nos branchements électriques qui est pas beau. Mais tu vois, là aussi, j'ai le service à thé et à café Minton. Minton. Ouais, voilà. Et ça, sont tous les verres, justement, ce baccarat de ma grand-mère. Tu vois, j'ai les flûtes. Et là, par contre, j'ai les flûtes à champagne. Tu peux les prendre, hein, tu peux sortir si tu veux. Tu vois. Oh, qu'il est. Oh, c'est beau, il est. Et c'était qui? Tu vois, j'ai tout, j'ai trois tailles de verre. Oui, alors ça, c'est moi qui avais fait des assiettes. Ça aussi? Oui, c'était pour... C'est quoi qu'on voit une question? Tu vois, complètement... C'est quoi? C'était un petit oiseau que j'avais... Un ah oui, comme ça? Ouais, oiseau. J'ai fait des tas de... C'est très joli. C'est très joli, hein. Wow. Tu vends? Oui. On peut acheter où? Alors, pour l'instant, on peut. Il faut que je monte une boutique en ligne. Pour l'instant, on achète dans mon atelier. Ok. Parce qu'en fait, ma plus grosse activité, c'est de donner des cours à l'atelier. D'accord. Donc, maintenant, tu es occupée pour. J'ai pas beaucoup de temps parce que j'ai 90 élèves. 90? Voilà. Ah là là. Donc ça écoute, c'est une grande école. Non, c'est tout petit. Mais il y a une atmosphère, c'est pareil, tu verras. Il y a une atmosphère à l'atelier où j'aime les gens, j'aime les recevoir. Mmh. C'est un lieu un peu où on a un moment suspendu, où on travaille avec ses mains, mais on discute, on partage. D'accord. Okay. Je leur cuisine des petits plats. Ah bon? Oui, de temps en temps, pour l'apéritif. Ah, ouais, d'accord. Donc voilà. Tu vois, ça aussi, c'est des cadres... C'est un ancien calendrier. Ancien calendrier? Oui. C'est un ancien calendrier. Je crois que celui-ci, c'était le mois de septembre. Ouais. Et celui-là, je ne sais plus. Enfin, bon, bref... C'était... Oui, tu sais, un calendrier. Comme ça, tu avais une photo et puis les mois. Avec des mois. Ouais. Et ça aussi, tu as... Ça, c'est moi qui ai fait. Beaucoup moins qu'on a. C'est très joli, hein. Ah bah merci. C'est très joli, hein. Vraiment. Je crois que c'est toi qui as. Et c'est moi aussi qui ai fait ça, oui. Exactement. Je comprends. Tu reconnais. Ah, でも素敵だね、こういうのがいっぱいあるってね。C'est magnifique. Et voilà, tu reconnais là aussi, c'est travailler en fait vraiment des couleurs, des matières. Je superpose, je gratte. Après, je ponce avec un papier de verre. Et c'est joli cette fauteuil, c'est quelque chose d'ancien aussi? Oui, écoute, c'est un fauteuil club. Okay. Tu vois, il avait... C'est le bois? Ouais, c'est le bois qui ressort, parce qu'au départ, tu vois, il y avait une patine
à la feuille d'or. Oui, tu vois tu vois les résidus d'or, d'or ici. Oui. Alors, comme il est ancien, l'or, au bout d'un moment, est parti. Oui. Mais on laisse un petit peu comme ça. Ouais. Et tu vois les... Voilà, c'est, ça, ça vient du côté de chez mon mari. D'accord. Voilà. Wow. On a récupéré aussi. Oui. Et maintenant, c'est le fauteuil du chien. Oui. Okay. Il dort, tu vois, il y a encore sa trace. Ici. D'accord. Il donc, dort. C'est le que sympa au chien c'est, aussi. C'est ça aussi. Ah, c'est le tapis, c'est joli. Oui, c'est un tapis que j'ai ramené de Thaïlande, celui-là. Ouais. Donc, pareil, ce sont des femmes qui travaillaient. Et alors, là, le truc. Rigolo, c'est qu'il est recto verso. Ah oui, c'est joli. Il y a tout un travail, tu vois, de comme l'origami. Oui, origami, waouh. Ouais, mais en tissu. C'est beau, il est. C'est très très joli. Ouais, c'est joli. Mais pourquoi tu mets des côtés ici pour... Parce que le chien, il le gratte. D'accord. Tu veux que je te montre? Regarde. Je vais te montrer. Oui. Hop. Parce que le chien, tu vois, il gratte comme ça. Oh. Ah, c'est dommage. Et c'est dommage. Ouais. Mais du coup... C'est... Waouh, c'est beau, il est... Beaucoup de travail. Oui, c'est beaucoup de travail. Wow. Et tu les vois faire, elles sont prennent plein de petits morceaux de tissu, et elles les plient, elles les repassent, et c'est tout cousu. Et après, c'est à la machine, tu vois, c'est cousu en circulaire. Donc, beaucoup de choses viennent dans le monde. De voyage, oui. On aime beaucoup voyager. Donc, j'ai eu la chance déjà de commencer petite. Oui. Et on continue. Ah, ok. Donc, voilà. Et tu vois, faire des accumulations, des accrochages à l'italienne, ça s'appelle. Et l'Italie qui me tient vraiment à cœur. Déjà, j'ai fait mes études en Italie. Ah oui, ok, oui. En Italie. Oui, j'ai fait les beaux-arts à Florence. Ah oh, oui, ok. Donc voilà, et puis tu verras dans, je vais te montrer après dans ma chambre, il y a aussi pareil des accumulations de tas de choses diverses, des choses chinées, tu vois. Ça, c'est une de mes élèves qui est. Oui. Karine Dessay, qui est illustratrice. Dessay. Dessay. Ouais. Qui est illustratrice. Ça, c'est une autre de mes élèves aussi. Ah oh ouais, c'est ce que j'achète. Ah bon? À mes élèves. Waouh. Et oui. C'est joli, mais bon. Il y a d'autres artistes plus connus, d'autres moins connus. J'aime ça aussi. Oui, ça c'est un artiste aussi. Je vous connais quoi, parce que tous sont très jolis, magnifiques. Et ça? Alors ça, ce sont des chinés. Ah ça, c'est chiné. Oui. Okay. Toi, j'ai une paire. Ouais. Ça, c'est chiné français. Je les ai chinés, oui, en France. Après, je pense que c'est français. Donc là, pour l'instant, c'est là-haut. Mais tu vois, quand je fais des dîners, hop, je mets, je change de bougie. Je t'emmène visiter la chambre. Oui, merci. Ok. Hop. Là, on arrive dans notre chambre avec mon mari. Et tu vois, ce que je te disais, on retrouve cette accumulation de tableaux, donc à l'italienne, toujours savamment mélangée de tout et n'importe quoi. Et oui, c'est le diplôme de mon grand-père, parce que je suis lyonnaise. Oui. Donc, tout à l'heure, je te parlais de cuisine. On aime bien cuisiner et bien boire. Et donc... mon grand-père était le compagnon du Beaujolais. Beaujolais, c'est un... tu sais ce que c'est? Et voilà. Sa 62e tenue. Une tenue, c'est une séance. C'est, tu sais, quand ils se retrouvaient tous ensemble, ça s'appelle une tenue. Donc, voilà, tu vois des choses, pareil, faites par des artistes différents. C'est intéressant, avec des peintures. Oui, c'est de la toile à matelas. C'est qui? C'est une de mes arrière-grand-mères. Ah bon? Je ne sais pas. Wow! C'est beau, il est...
Mais c'est ton famille. Oui, c'est de ma famille. Ben là, tu vois, là-haut, c'est, bon. C'est la même, mais ouais. C'est moi qui ai rajouté des enfants autour. Waouh! Parce que comme je la connais pas. Mais moi, j'ai ruiné. C'est beau, Ina. Tu vas de curiosité en curiosité. Oui. Et ça, c'est des... Pareil, c'est chiné. Chiné, ok. Oui, oui. C'est oh, des anciens... C'est des meubles années 50 qui font office comme celui-là, mais il est en plus petit de bureau. Okay. Alors d'accord. Ça, c'est mon bureau. Ok. Ça, c'est mon bazar. D'accord. Si tu veux, je peux te l'ouvrir, mais... Bon, tu vois, il y a des... Ah, c'est vraiment... Voilà. Ouais, j'ai mes affaires, là, ouais. Tous mes breloques. C'est quoi, il n'y a pas de ça, hein? Il y a beaucoup de blafla. Ah, oui. Beaucoup d'oreilles, des boucles d'oreilles. C'est quoi, il n'y a pas les minarlances, il n'y a pas monté. Est-ce que tu veux voir aussi mon dressing? Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, c'est vrai. Hein. Voilà. Oh. Donc, c'est-à-dire, normalement, ça devait être un dressing commun à mon mari et à moi. Oui. En fait, c'est un quart mon mari et trois quarts à moi. Oui, je vois. C'est ça le couple. Oui, oui, oui. C'est bon. C'est mon encore très coloré. Oui, toujours. Scoy pink. Ah, tu veux que je te montre celle-là? Ah, regarde. Pareil. Waouh. Oh. Voilà, regarde. C'est bon. Tu vois, c'est même dans mon habillement, je reste originelle. Oui, vraiment originelle. Voilà, voilà. Donc, je crois que tu aimes beaucoup de broderie. Oui, j'aime beaucoup la broderie. Ouais. Tu vois, des choses aussi, je chine aussi des choses. J'aime le patchwork. Ah, patchwork aussi. Tu vois. Encore un i. Hop, tu vois, les choses mélangées. Et kawaii. Kawaii. Donc, je crois que tu aimes des choses faites à la main. À la main, exactement. Oui, oui, j'aime les choses faites à la main. Et puis, qui ont une singularité. Comment tu peux prendre... Eh ben, je prends un escabeau. Ah d'accord, escabeau. Non, tu vois, je ne peux pas. Je prends un escabeau, mais le problème, c'est que je suis obligée de monter en hauteur. Parce qu'on a... C'est normal à Paris. Oui. Et kawaii. Et alors voilà, notre kawaii. Alors, je ne sais pas si tout le monde aimerait partager notre chambre, parce que tu vois, avec... Oui, mais il y a des têtes d'animaux, alors. Ouais, mais c'est joli. C'est rigolo. Oui, c'est très original. Voilà. Moi, j'ai l'air kawaii. Et c'est toi qui as fait? Alors pareil, les têtes en papier mâché aussi, toujours pendant le confinement. Pendant le confinement, je me suis occupée. Kawaii. Ça, c'est mon fils, c'est son premier tableau qu'il a fait. C'est lui, c'est un autoportrait de lui avec des fourmis. Ah oui, il y a que des fourmis, oui. Et il adore les fourmis. Voilà, là, on t'en a. Ali. Donc voilà, et puis tu vois, bah là c'est mon bureau. C'était qui là encore? Ah, c'est joli. Je suis en cours, je suis en train de travailler. Je sais pas, faut que je redessine par-dessus, après au crayon, mais tu vois, je cherche. Alors, j'ai plein de choses. Et puis, Ça c'est aussi, hein, c'est dans ça, c'est, cours, c'est vieux, c'est une de mes premières sculptures. Ah mais bon? Il y a sculptures quand j'étais. Il y a très longtemps. C'est beau, mais je la garde. Waouh. Et après, c'est toi. Ouais, ça c'est les restes. Pareil, tu vois, avec des choses, des petits fauteuils chinés. Ah oui, tout ça. Ouais. Ah, comment il est connu, c'est une amie qui a une brocante sur Instagram qui s'appelle Bali Zinzin. Ah oui, je sais. Tu la connais? Oui. Ouais, ben voilà. Tu veux bien?
Il vient, ben c'est son... Ah oui, parce que je t'ai pas montré son lit, c'est son coucouche. Désolée. Ça, ça c'est ça pas. De... Non, alors ça c'est pas ancien du tout. Okay. C'est... Mais c'est joli. Oui, c'est similaire. Ouais, les... ça ouais, mais en confection moderne, ça. Ah ok, d'accord. Donc ça n'a pas de, de valeur. Mmh. Voilà, là, ça, bah, ça c'est moi qui ai fait aussi. J'adore des couleurs d'or. Oui, tu vois, il y a de l'or, il y a de l'argent. Mmh. Qui les gagnera, pareil. Wow. C'est magnifique. Mmh. Mmh. Ah, c'est bonne idée de mettre des choses ben, comme ça. On n'a pas la place, oui. C'est pour les chaussures, des chaussures oui. C'est ça. Oui. Et quoi, ça, Ikea, non, ça c'est Ikea, oui. Ouais, ouais. Ah, c'est mais bon, c'est une bonne idée. De, oui, parce oui, tu que vois, tu. Ça ne coupe beaucoup de. Exactement. Place. Donc, comme ça, tu mets. J'ai mis une plume dessus. Et... Il est bon, là. Tu trouves des moyens et tout. Bon. D'accord. Et ici ? Donc là, ici, c'est la chambre de mon grand adolescent, enfin adulte maintenant, qui vient d'avoir 18 ans. 18 ans ? Ah, 18 ans. Oui. 18 ans. Donc... Tu peux entrer ? Ah, mais bien sûr que tu peux entrer. Voilà. Dans une hair point. Je pense que c'est bien que vous filmiez sa chambre, parce que c'est un caractère exceptionnel. C'est rangé. Enfin, pour lui. すごい、このさ、壁の感じが外国人のお家っぽいね。わー。Bon, continue par la salle de bain. Ouais. Alors, des petits espaces toujours. D'accord. Ok. Donc voilà, c'est juste avec une curiosité, tu vois. Ouais. Je... encore. C'est, alors ça, c'est moi qui ai fait, c'est pareil. J'ai chiné. Ah, oui, oui, c'est chiné. Des. J'ai chiné. Ça, c'était une ancienne cafetière en haut. Ouais. Et j'ai une autre passion. Dans, c'est j'aime les tout ce qui est médecine. Organes, ah, choses ouais, okay. Un peu, donc bon, voilà. Les poumons, bon, c'est un peu particulier. Ouais. Puis en dessous, il y a des, oui, des méduses, des poulpes. Et puis ben, là, on va terminer par la cuisine. D'accord. Voilà, tu vois, même concept. Oui. Tout fait de bon pareil tu vois des petits espaces oui. Donc voilà il y a des tu vois des curiosités pareil j'ai récupéré le vieux robot de pareil de ma grand-mère Kenwood le Kenwood il est alors d'époque celui-là mais il marche mais il marche ah oui mais super bien et j'ai absolument tous les éléments pour bon. Faire des saucisses pour ah bon ouais. J'ai un placard complet rempli de d'accessoires Donc, et comme j'adore cuisiner et que ma grand-mère cuisinait très très bien j'ai récupéré ouais j'ai je suis vraiment voilà c'est waouh c'est l'amour, ça se cuisine tous les jours. Ouais, kawaii. Tu comprends, ouais, tu comprends. Ouais. Ouais. Et le chef a toujours raison. Oui, ouais, ça bien c'est sûr. Vrai. C'est vrai. Kawaii, ne, petit détail, modèle, ne. Voilà, puis okay. On te voit tous les. Je sais pas si j'ouvrirai des placards parce que c'est tout bourré, il y en a partout, tu vois. C'est moi aussi. Ouais, tu vois, ça c'est mes placards à épices, j'en ai, mais partout. Mais c'est bonne idée d'avoir des épices. Des tout petits, oui. Tu vois. Alors, tu vois, j'ai même pour faire mes bouillons. J'ai des crevettes séchées. Je on peut acheter ça ou non, c'est trop Oui, je les ai faites. Ah bon Séchées Oui. Mais comment tu peux faire des séchées dans le midi, on a un truc et je les au ouais, soleil. Ah, ouais. D'accord. On s'éleille Oui. Ouais. Ouais. Tu vois, j'ai des tas de trucs, il y en a partout. Donc, Tu cuisines des asiatiques aussi? Oui, beaucoup. C'est beau, bon. Même japonais. Même japonais? Ouais. Des plats comment pour sushi? Ah oui ça c'est mais je fais pas mal des udon. Tu sais udon les aussi? Ah bon? Oh moi j'ai l'oeil. Ok. Donc, merci. C'est bon là.
Bah, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci beaucoup. Hein, c'est magnifique. Je vous en prie. C'est vraiment intéressant. Ah, bah, merci. Je t'en prie, Mamiko. C'était un vrai plaisir de t'avoir à la maison. Merci beaucoup. Donc, j'espère à bientôt. J'espère à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bye bye.